Salut à toutes et à tous! On devait se retrouver initialement pour la suite de notre Let's Play The Long Dark. Par contre, j'ai eu comme un problème majeur. Un problème majeur qui s'appelle un ours derrière une porte. Ouais, voilà. C'est-à-dire que j'étais tranquillement dans ma petite maison avec mes petits vivres, tout ça, tout ça. J'ai réparé mes affaires. Et j'étais en train de sortir en me disant je vais aller chasser une bête histoire de éventuellement récolter des composants de craft et pour me faire peut-être un arc, ça pourrait être cool. Et j'ai ouvert la porte et il y avait un ours. Un ours à 1 mètre de la porte. Et il m'a sauté dessus avant que je puisse tirer et il m'a déchiqueté vivant. Voilà. Et puis, ben voilà. Donc en fait, je vous ai pas montré un épisode qui a duré 1 minute à peu près. En sachant que moi avant j'avais joué une dizaine de minutes pour réparer mes affaires, mais bon je voulais pas le filmer, je voulais pas vous montrer moi qui répare mes fringues. Donc voilà, je ne vous diffuse pas l'épisode d'une minute qui en fait s'est clôturé par ma mort aussi brutale que sanguinolente. Je m'attendais pas à croiser un ours derrière une porte, et ça par contre il n'y a aucun moyen de le savoir. Hein, je veux dire, il n'y avait pas de bruit de pas, il n'y avait pas de bruit d'ours, j'ouvre une porte, paf, un ours, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Ça, c'est vraiment la loose, mais c'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est des challenges. On a deux challenges possibles. Donc, Hopeless Rescue. Donc en fait, il faut retrouver le pistolet de détresse au sommet de la montagne Timberwolf, a priori, et le tirer depuis comment? Depuis le phare d'un autre endroit sur notre carte en fait. Donc ça nous oblige à nous balader un peu. Ça peut être sympa. Encore faut-il où se trouve, enfin faut-il savoir où se trouve la Timberwolf Mountain et le phare. Le second challenge, c'est comment la proie, le chasser en fait, part 1. L'idée c'est qu'il y a un ours, un vieux ours qui vous court après et vous pouvez pas le tuer. Il y a que le vieux fusil du trappeur qui peut le buter. Le truc c'est qu'il faut arriver jusqu'à la cabine du trappeur et puis essayer de tuer cet ours. Voilà, c'est le seul but du truc. Je pense que je vais me lancer dans celle-là parce que ça m'a l'air sympa. Essayer de voir si on est seul, trouver la fusée de détresse et appeler des secours. On va se lancer là-dedans, je pense. Tiens, on va jouer une femme pour changer un peu. Ce sera la survivante au lieu du survivor. On va appeler ça Challenge 1. Et on va se lancer. Alors désolé pour la façon abrupte dont j'ai coupé la série précédente, hein, mais c'est pas de ma faute, hein, je me suis fait boulotter par un ours, hein, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc là on va juste commencer pour voir un petit peu comment ça se passe, où est-ce qu'on se trouve et tout ça et tout ça. Je suis dans la cabane du trappeur, pour commencer. Mes stats vont bien. J'ai un peu du matériel en tout genre. Elle est plutôt classe, la cabane du trappeur, on dirait. Plus on est en pleine journée, il y a de la lumière et ça fait plaise. Parce qu'en règle générale, c'est vraiment pas le cas. Bandage. Du bois. Rien du tout. Aucune idée. To be prepared for anything. Fringue, très très bien. Ça c'est en petit, on l'a déjà vu. Tout ça on a déjà vu. Des munitions de fusil. C'est cool.
J'aimerais bien le fusil, moi. J'ai pas vu quelque chose? Il semblait avoir vu quelque chose ici. Pas très pratique. C'est entre 10 et 15, je suis pas bourré. Ok. Ok. On va y arriver. Je préfère le système de crochetage de Skyrim. Hein. Très honnêtement. Putain! Donc. Entre 10 et 15. Ouais, mais faut aller plus loin, j'imagine, parce que sinon ça marche pas. Tout doucement. Après, j'aimerais pas vous montrer un épisode où c'est juste moi en train de crocheter un truc. J'aimerais vous montrer un peu autre chose si possible. Voilà. Tout ça pour une paire de boots, c'était sérieux. Qui sont certes meilleurs que ce que j'ai, mais il y a des limites quand même. J'hallucine. Bon, alors c'est pas grave. On a fait tout ça pour pas grand chose. C'est pas grave. Alors avant de sortir, de toute façon, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ici. Pas grand chose en vérité. Je vais peut-être pas sortir comme ça parce que mes fringues sont défoncées par contre. Puis pour l'instant j'en ai pas d'autres. Donc on va commencer par voilà, par ce genre de choses. Ah d'accord, donc en fait le challenge il y a un temps limité. Très bien, je n'étais pas au courant. Au sommet de la montagne Timberwolf. Moi je veux bien, mais franchement je sais pas du tout où c'est quoi. Le sommet de la montagne Timberwolf. Bon bah écoutez, je crois qu'on a tout pris hein. On va pouvoir se lancer. Antiseptique, de quoi réparer mes fringues. Tout ça est très sympathique. Et puis je crois que de toute façon on a tout pris cette fois. À tout prix.
morceau de bois. Ce que je peux me permettre. Au niveau de la santé, on n'est pas trop mal. Et ben écoutez, c'est parti. On va essayer de trouver la montagne. La montagne Timber machin, là. Sauf que bah, j'ai pas de carte, hein, bien sûr. Hein, sinon, c'est pas drôle. Hein. Est-ce qu'on a bouffé en fait? Est-ce qu'on a bouffé? Deux barres de chocolat, une. Du café, on s'en fout, et un peu de soda, ouais, bah c'est pas la. C'est pas l'opulence, hein, bien sûr. Donc là-bas, il y a des bêtes. C'est cool, hein, parce que si j'avais, si j'avais un fusil, ce serait super, mais j'en ai pas des fusils. J'ai pas de fusil, on va aller voir ce qui se trouve ici. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais mourir assez rapidement, encore une fois. Nickel. On va essayer de trouver un point haut. De quoi faire un feu, c'est toujours une bonne idée. Ça non, par contre, c'est pas nécessaire. Ok. Ah. Est-ce que tu pourrais te virer, s'il te plaît? Voilà, l'écran. Merci. Alors, le sommet de la montagne Timber. Pas de te baisser. La nuit va tomber et je suis complètement perdu dans la pampa. Max Last Stand. Ok. Est-ce que je suis gelé? Non, je suis pas complètement gelé encore. Alors en quittant la cabane du trappeur, je sais ce que j'ai laissé, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver par contre. Hein. Bien sûr, parce que là pour l'instant... Pour l'instant, on est dans la forêt et la nuit tombe quoi. C'est quoi ça? J'ai pas le niveau pour récolter ça, très bien. Parce qu'une aide perdue n'est pas suffisant, il faut aussi qu'on soit incompétent, hein, sinon c'est pas drôle. Là-bas, j'ai l'impression de voir des cailloux plus que des maisons, hein, c'est des cailloux ça. Ce ne sont que des cailloux. Allez, cours ma grande. Il semblerait qu'on soit arrivé à un cul-de-sac, malheureusement. Moi qui pensais que ça pouvait éventuellement être ça, la montagne, c'est-à-dire le point le plus haut, mais on dirait pas. La nuit est en train de tomber grave rapidement. Un peu comme mes stats qui sont elles aussi en train de tomber grave rapidement. Il y
Et ça, c'est un chemin de fer. Ok, bah écoutez, on va suivre le chemin de fer. On va boire un coup. Manger un morceau. Et puis continuer. On commence un tout petit peu à être gelé par contre. Ah, puis on commence un tout petit peu à croiser genre des loups également. Sauve-toi, salope. Ah d'accord. Ça, quoi. Faire attaquer par un loup. First aid. Good lost, oui. Ben. Ah mais il revient en plus. Ouais, bah j'ai peut-être allé par là finalement. Attaqué par un loup lors de la première heure de jeu. Ouais, je sais que t'es crevé, mais écoute. Le souci, c'est que si tu t'arrêtes là, tu meurs. Il n'y a pas de débat, quoi. Ah ouais, mais non. Ouais, non ça va être compliqué. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est un feu. C'est un peu la mauvaise idée, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, allumer un feu, comment on fait? Comme ça. Ouais, allumer un feu, donc, disais-je. Un petit fioul. 1h46, 2h, 2h45, 3h. Bah écoutez, ce qu'on va faire. Ça. On va se reposer 2 heures déjà. Alors bien entendu, on n'est pas en forme. Et si on veut survivre, va falloir trouver un peu de bois pour le feu. Sauf qu'évidemment, du bois pour le feu, il n'y en a pas. Allez, on va continuer alors. On s'est reposé 2 heures et on espère trouver un lieu. Un endroit qui pourrait nous sauver la vie. Par contre, je vais continuer. Tunnel. Ok, donc ici il y a un truc. Ah chouette, un cul-de-sac, nickel. Nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Painkiller, ok, bah écoutez, c'est plutôt un. Une bonne idée. Le seul souci, c'est que je ne sais pas. C'est qu'il me semble qu'il n'y a rien du tout par là en fait. Ça, du coup, c'est extrêmement malheureux. On voit notre feu là-bas.
Mais on est obligé de le quitter, hein. On va être obligé de courir dans la forêt. Courons dans la forêt. Jusqu'à retrouver quelque chose, un abri, un truc, un machin. Ah, je peux juste lay down that little sleep, right? Ouais, je sais, tu t'es au bout du rouleau. Je suis bien désolé pour toi. Bon, là, si tu t'arrêtes, tu crèves, donc ne t'arrête pas. Run. Tu peux pas run, ok, très bien. Puis si je trouvais du bois aussi. Sympa, mais ça nous aidera pas. Ça nous aidera pas. Il faut absolument qu'on trouve un abri. Je vais essayer de grimper là-dessus pour voir si on voit quelque chose depuis depuis là-haut. Là, une maison. Je sais pas du tout, mais alors du tout où on est. Ah si, je sais où on est. On est revenu à la cabane du trappeur, sérieusement? Risque d'hypothermie, très bien, c'est parfait. Non, c'est pas la maison du trappeur, ça, il n'y avait pas d'étage. Elle avait pas d'étage, la maison du trappeur. Ou alors j'ai pas vu l'étage et je suis un gros boulet, c'est une possibilité aussi. Allez. Ah, un abri. Eh bien, putain, ça fait du bien. Est-ce qu'on a des allumettes? Ah, la cabine du trappeur. GG. Gros gros GG. Bon. Bah c'est le fail. C'est le fail. Bah voilà, donc là c'était la première tentative du coup, parce que je vais arrêter là forcément, vu qu'on a fait... En fait on est sorti se faire bouffer par un loup, manquer de crever, choper une hypothermie et on est revenu. Donc ça me semble pas être le truc le plus... comment dire, le plus constructif du monde. Je crois qu'il va vraiment falloir que je me trouve une carte de la zone par contre, si je veux un jour réussir ce défi. Parce que là, sans carte, courir et puis errer dans les champs, c'est pas vraiment une stratégie valable. Bon, on va arrêter là pour cet épisode. On essaiera la semaine prochaine, j'essaierai avant la semaine prochaine de me procurer une carte. Et puis, de faire ce défi d'une façon un peu plus sérieuse. Là, j'ai surtout été pris par défaut par le... par l'ours qui m'a tué mon let's play précédent. Je suis encore un petit peu sous le choc. Bon allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.